Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui on va rebondir sur cette actualité, cette actrice très connue, Shannen Doherty, qui est décédée à l'âge de 53 ans des suites d'un cancer du sein. On va pas se mentir, aujourd'hui, en tout cas en 2024, quand quelqu'un décède à l'âge de 50 ans, on est toujours surpris, on dit que c'est très jeune, même si chacun à notre échelle, à chaque fois, on dit ah, je suis plus tout jeune, je suis plus tout jeune, je suis plus tout jeune. La vérité, c'est que quand il arrive quelque chose de dramatique à quelqu'un à cet âge-là, on est quand même assez surpris. Et oui, le cancer est une maladie grave qui emporte les gens parfois très tôt. Là, c'était 53 ans et parfois c'est beaucoup plus tôt. Et le cancer du sein est une maladie très fréquente et c'est pour ça que je vais rebondir sur cette actualité pour donner quelques pistes, en tout cas des signes, je vais pas dire précurseurs, mais ça, des signes à savoir reconnaître. Voilà, des signes à savoir reconnaître pour aller consulter quand justement il se passe quelque chose à ce niveau-là qui peut être le signe justement d'un cancer du sein. Parce que le cancer du sein, comme j'ai dit, c'est très fréquent, c'est le cancer le plus fréquent chez la femme. C'est à peu près plus de 30% des cancers, en tout cas chez la femme en France. C'est à peu près 60 000 nouveaux cas par an et environ à peu près 700 000 personnes quand même qui sont soignées pour ça. C'est-à-dire, je disais 60 000 nouveaux cas, mais à l'instant T, si on regarde toutes les personnes qui sont atteintes, ça fait du monde. Alors, quels signes on peut donner? Des signes simples à savoir reconnaître. Alors, on va avoir des signes qui sont très visuels sur le changement de l'aspect du sein. Alors, on peut avoir deux cas de figure. Enfin, ça peut s'assembler aussi, mais vous allez comprendre. On peut avoir une masse qui apparaît au niveau du sein et qui va donner un aspect de voussure, une bosse. Voilà, le sein a changé. Une bosse sur le sein, c'est bizarre. Et quand vous touchez, il y a une boule. Donc là, il faut évidemment aller consulter. Cependant, ce qui est important à savoir, c'est que les masses au niveau du sein, c'est assez fréquent aussi. Et ce n'est pas tout le temps des cancers, heureusement. Donc il y a aussi les kystes mammaires qui sont très fréquents. À la différence quand même que les kystes mammaires, en général, déjà en général, ils sont douloureux, à l'inverse des tumeurs qui sont en général parfois indolores. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'elles sont vicieuses. Mais les kystes mammaires, souvent, c'est douloureux et en général, on en a plusieurs, on n'en a pas qu'un. On va toucher les deux seins, on va sentir qu'il y a des boules. Dans chaque sein, il y en a plusieurs. Quand on les touche, ah, c'est un petit peu sensible et puis ça bouge, ça glisse sous les doigts. Ça grossit parfois, des fois ça baisse de taille, enfin bref. Donc les boules au niveau des seins, ce n'est pas forcément signe de cancer. Cependant, si ça vous est jamais arrivé et qu'en plus de ça, la boule en elle-même, il n'y en a qu'une, qu'elle n'est pas très douloureuse et puis qu'elle ne bouge pas vraiment. En tout cas, quand vous touchez, vous avez l'impression que c'est pierreux, que c'est assez fixé. Eh bien, voilà, ça peut être effectivement un signe. Et donc, à avoir en tête, masse, boule, dure, assez fixe, pas forcément douloureuse. Après, autre signe important, c'est sur le changement de l'aspect de la peau. Donc, on peut avoir une peau, pardon, en peau d'orange. Donc vous allez avoir une peau qui va avoir un aspect de peau d'orange tout simplement, c'est-à-dire avec des petits trous. Donc vraiment, il y a une différence marquée par rapport au reste de la peau. On peut même avoir une rougeur localisée qui signe un état inflammatoire dans cette zone. Donc une rougeur, quelques petits trous. Et voilà, on a ce changement assez bizarre, c'est assez typique. Je vous laisse taper d'ailleurs aussi sur Google Images, aspect en peau d'orange de la peau. Et vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc ça, c'est sur la peau, on peut avoir un changement. Tout à l'heure, pour le premier point, je disais qu'il y a deux choses qui peuvent aussi s'opposer. J'avais dit qu'on peut avoir des boules, on peut avoir des masses. Mais à l'inverse, on peut aussi avoir des creux. On peut avoir une rétractation au niveau d'un endroit du sein qui va laisser place à un genre de cratère. Et donc, là aussi, si on a un cratère qui se forme au niveau du sein, ça peut être inquiétant. Il est important d'aller consulter. Ensuite, on va avoir aussi ce qui va se passer au niveau du mamelon. On peut aussi avoir un aspect de rétractation du mamelon avec le mamelon voilà, qui est vraiment enfoncé, bizarre, comme s'il était attiré par quelque chose de l'intérieur, et avec parfois des écoulements anormaux au niveau du mamelon. Attention, les écoulements peuvent être aussi associés à d'autres problèmes bénins. Cependant, si on a des écoulements vraiment anormaux, bizarres, parfois des écoulements de sang, voilà, associé à d'autres symptômes que j'ai évoqués plus tôt. Voilà, il faut se méfier. Ensuite, autre signe qu'il est important de connaître, on ne cherche pas forcément parce qu'il n'est pas au niveau du sein,
Ce sont les ganglions. Quand on a un cancer, on va avoir des adénopathies, des ganglions qui vont se former dans la zone où justement on draine les mauvaises cellules. Et au niveau du sein, quelles sont les zones qui drainent? C'est au niveau axillaire. Axillaire, c'est-à-dire au niveau des aisselles. Et donc, ben voilà, parfois, c'est bien de toucher aussi. Est-ce qu'on a des ganglions qui n'étaient pas là avant, qui sont apparus, qui sont, voilà, volumineux, qui ont aussi cette caractéristique d'être fixes et durs? Parce que les ganglions, vous connaissez souvent, par exemple, quand vous avez une angine, vous avez mal à la gorge, vous avez des boules, vous faites ça, vous touchez, bon ben, voilà, vous pouvez les saisir, les attraper un petit peu. Mais en général, dans les cancers, tout ce qui est tumeur ou ganglion associé, souvent c'est dur et c'est rigide, c'est fixé. Donc c'est quelque chose aussi à avoir en tête. Je pense que je vais m'arrêter là, mais c'était les signes à connaître qui sont pas compliqués à retenir en tout cas. Et qui peuvent être facilement perçus avec les yeux ou au toucher, qui permettent d'être alertés à savoir est-ce qu'il y a quelque chose d'inquiétant ou non qui se passe au niveau du sein. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous aurez appris des choses, que cette vidéo vous aura été utile. Et puis bah, sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.